Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Toby Univers parce qu'aujourd'hui on va faire 5 astuces tuto summer dans Minecraft. C'est parti. Okay. Donc ici on est sur Minecraft comme en début de vidéo et là on va faire un bord de plage avec des transats et des parasols. Alors pour faire déjà les parasols, vous allez avoir besoin de bas de fence, donc de barrière. Hop. Comme ça. Ici, vous allez faire deux de haut. Vous allez prendre des tapis en carpette comme ça. Hop. Hop. Vous allez en poser une là. Ensuite, vous allez prendre des ficelles que vous allez mettre tout autour là, là, là et là de votre parasol. Bon, comme ça, vous allez pouvoir positionner les tapis sur les ficelles. Et vous allez faire la même chose ici, ici, ici et ici. Au moins comme ça, vous pouvez finir votre petit parasol. Et pour faire le transat, c'est hyper méga simple. Vous allez juste à faire ça, ça et ça. Voilà. Et si vous voulez faire même encore mieux, vous pouvez prendre de la neige pour... Et vous pouvez faire quelques couches de neige. Moi, j'en mets une seule. Au moins, comme ça, ça fait un peu stylé. Voilà. Et voilà pour ce premier tuto. Ok. Maintenant, on va faire les WC sur les plages. Donc, les WC sur les plages, ça ressemble plutôt à ça. Hop. Comme ça, vous mettez 3 de haut, 1 là, donc 3, 3, 2 ici, enfin 3, 3, 3, comme ça. Ensuite ici, vous prenez votre, votre planche de spruce, votre spruce plank. Vous mettez 3 comme ça. Vous reprenez votre oak plank, comme ça. Et comme ça, bon, j'ai même pas besoin de dire ce qu'il faut mettre pour que vous compreniez. Ici, je vais mettre une OX Lab, juste là pour faire un plafond un peu plus haut que la normale, juste ici. Et ensuite, bah, ici, vous allez recouvrir avec des OX Slab, juste là pour mettre un genre de mini parasol, juste ici. Et encore, pour mettre encore plus de cils, je vous conseille de mettre des carpettes, juste ici, comme ça. Pour ajouter encore un petit peu plus de cils. Et voilà pour ces petites toilettes de plage. Et on va même mettre une porte parce que quand même, faut pas abuser. Hop, ici je vais juste prendre une petite spruce d'or. On va positionner juste là, là et là. Et j'ai oublié de changer juste ici ça comme ça. Ça comme ça. Hop, hop. Et voilà, au moins comme ça ici, on a des WC de plage. Ok, et maintenant on va faire... un château de sable, et là tu vas me dire, mais oui, mais en même temps, comment est-ce que tu vas faire avec des blocs comme ça, à faire un château de sable, comme ça, voilà, comment est-ce que tu vas faire pour faire ça? Et bah c'est très simple, genre vraiment simple. Ce que vous allez faire, c'est juste prendre dans le site que je vais mettre dans la description, la tête de sable. Ensuite, vous allez juste creuser, on va dire ça, comme ça, de deux. Hop, vous allez mettre ça, non, vous allez juste mettre des slabs, ici. Voilà, vous allez positionner des armor stands comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Ensuite, comme ça et comme ça, vous allez positionner la tête... de votre sable juste ici. Ensuite vous allez mettre vos pistons là, là, là
Et là, comme ça, vous les activez. Ensuite, vous prenez votre piston juste ici. Et je vais plutôt le faire de l'autre sens. Et vous l'activez. Et puis, ça va vous faire, un petit truc sympathique. Je dirais bien. Hop. Et pour ajouter encore des trucs encore mieux, je mettrai même, hop, du sable, comme ça. Hop. Et je crois que... Ouais, c'était sûr. Mais bon, ici, ça vous fait un petit château de sable, tranquille, comme ça, posé. Et du coup, ce sera tout pour ce petit tuto de château de sable. Et on passe à l'autre tuto. C'est parti. Et pour ce dernier tuto, vous allez avoir besoin juste d'une chaîne et du coupeur pas oxydé. Pour ce faire, vous voyez au centre, quand vous allez à la plage, et ben ils mettent genre de délimitation. Et ben là, c'est ce que je vais faire. Donc pour ce faire, vous allez positionner des chaînes où vous voulez. Vous allez faire 1, 2, vous posez un bloc. 1, 2, 3, 4, vous posez un bloc. 1, 2, 2, 3, 4, vous posez un bloc. 1, 2, 3, 4, vous posez un bloc. Et puis tout ça sur une longueur, sur la longueur que vous voulez. Allez, je vous fais une petite timelapse de moi qui fait une délimitation pour ce tuto. C'est parti. Et voilà, ce sera la fin de cette vidéo tuto Minecraft Summer. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker pour avoir plus de mini vidéos tuto comme ça. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.